Merci pour votre invitation. Donc, on m'a demandé de vous dresser un petit peu un cadrage général de le problème, des problèmes posés par les paradis fiscaux, par la fraude et l'évasion fiscale. Donc, je commence par un petit état des lieux, hein, les particuliers, les entreprises, les institutions financières. Sur les particuliers, vous avez le Tax Justice Network, donc, qui est la grande ONG internationale qui est basée à Londres et qui fédère l'ensemble des mouvements mondiaux qui se préoccupent de ces sujets. Et James Henry, qui est un comptable, donc, qui est arrivé à cette estimation de 26 000 milliards de dollars détenus dans les paradis fiscaux par les particuliers, par 0,14% de la population mondiale. Vous avez d'autres estimations qui mettent ça plutôt à 10-12 000 milliards de dollars. Évidemment, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'endroit où on peut aller savoir combien il y a d'argent dissimulé dans les paradis fiscaux, mais ce dont tous les experts s'accordent, c'est pour dire que c'est beaucoup, en tout cas. On a l'impression que les paradis fiscaux sont utilisés par les grands millionnaires ou multimilliardaires. Ça va bien au-delà. Il y a une forme de « démocratisation » entre guillemets de l'utilisation des paradis fiscaux. On le voit au moment de l'affaire SwissLeaks ou encore avec les Panama Papers. Parmi l'essentiel des clients que l'on retrouve, il y a des patrons de PME souvent qui partent en retraite, des cadres supérieurs de grandes multinationales, des petits commerçants dans les Panama Papers. Le Panama Papers, le monde a mis en avant ce boucher qui utilisait Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats panaméen, des professions libérales, des consultants et même quelques évêques qui ont trouvé la porte du paradis un peu plus rapidement. Les multinationales, quand vous regardez l'ensemble des investissements réalisés par toutes les multinationales année après année dans le reste du monde, où est le stock de ces investissements, où ces grandes multinationales américaines sont-elles essentiellement présentes? Vous voyez que le premier pays, c'est les Pays-Bas. Vous tombez sur le Royaume-Uni, sur le Luxembourg, l'Irlande, les Caraïbes, les Bermudes, etc., etc. Vous voyez que cette géographie de la mondialisation, elle est un peu bizarre, hein, puisque bien évidemment, ce n'est pas aux Pays-Bas que les multinationales américaines vont réaliser l'essentiel de leur business à l'étranger. Prenons l'Europe, hein, pour ne pas faire de l'American bashing, lorsque vous prenez les flux d'investissement direct de l'ensemble, prenez l'ensemble des multinationales européennes et vous regardez la façon dont elles vont investir dans le reste du monde. Quel est le premier pays à partir duquel les grandes multinationales américaines investissent? C'est le Luxembourg. Et c'est 55%, c'est vraiment massif. L'Allemagne est le deuxième pays avec une part de 8,7%, et c'est très peu. À l'inverse, lorsque l'ensemble des multinationales du monde entier viennent investir au sein de l'Union européenne, quel est le premier pays qui va recevoir leur flux? Le Luxembourg à 33%. Donc soit le Luxembourg est une puissance industrielle largement mésestimée, hein, avec des grandes multinationales dont on a tous oublié le nom, soit il se passe quelque chose. Et les Nations Unies nous disent il se passe quelque chose, puisque la CNUSED a fait un petit calcul pour savoir, parmi l'ensemble de ces flux d'investissement à l'étranger et étrangers venant en Europe, et ceux qui rentrent spécifiquement au Luxembourg, quelle est la part d'activité réelle et quelle est la part d'activité liée à des sociétés écrans. Et la CNUSED nous dit que seulement 8% des investissements à l'étranger du Luxembourg et 5% des investissements du reste du monde qui viennent au Luxembourg correspondent à une activité économique réelle. La semaine dernière, la CNUSED nous a proposé une nouvelle étude qui essaye de mesurer, enfin qui mesure les profits réalisés par les investissements à l'étranger des multinationales des 26 plus grands pays développés, donc sur les chiffres 2014. Et vous voyez encore une fois que le premier pays qui ressort, lorsque vous prenez ces 26 multinationales qui sont présentes dans le monde entier, eh bien, leurs profits, il y a 155 milliards de profits qui ont été réalisés en 2014 aux Pays-Bas. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Luxembourg, 75 milliards, la Suisse, l'Irlande, etc. Vous voyez bien qu'on fait plus de profits lorsqu'on est de multinationales de grands pays développés aux Bermudes qu'en Chine et pratiquement autant aux îles Caïmans. Donc vous voyez cette géographie de la mondialisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est factice. Hein. Et ça représente quoi? Ça représente par exemple 114% du PIB du Luxembourg, ça représente 800% du PIB des Bermudes, ces profits réalisés par les 26 plus grandes multinationales des 26 pays développés. Donc on voit bien que cette géographie financière, on va y revenir, elle est complètement factice à cause des paradis fiscaux.
Les Panama Papers nous ont permis de focaliser sur le rôle des intermédiaires dans cette chaîne d'opacité, en nous faisant remarquer qu'il y a trois étapes dans l'opacité financière. D'abord, il faut faire disparaître l'argent. Ensuite, il ne faut pas être pris. Et enfin, il faut faire fructifier l'argent, parce que ça ne sert à rien de le cacher s'il ne rapporte pas. Pour faire disparaître l'argent, vous avez besoin des compétences de comptable, de financier, de fiscaliste. Et pour ça, bien évidemment, vous, clients, multinationales ou particuliers, vous n'allez pas aller contacter toutes ces personnes. Il vous faut un chef de chantier qui va contacter l'ensemble des petits artisans, si je puis dire, qui vont pouvoir être agrégés pour vous offrir le service total. Et on s'aperçoit, grâce aux Panama Papers, que le chef de chantier, c'est une banque, c'est des cabinets d'avocats fiscalistes. Ils vont aller chercher quoi ? Des petits et des grands cabinets d'audit, les grands on les connaît tous, mais aussi des plus petits, qui connaissent sur le bout des doigts l'ensemble des fiscalités du monde entier, les différences de fiscalité du monde entier sur les dividendes, les héritages, les intérêts, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, tout type de revenus, et qui vont s'insérer entre les différentes réglementations étatiques. Est-ce que c'est illégal ? Non, a priori c'est pas illégal, sauf que on considère au niveau européen, au niveau de l'OCDE, que l'interprétation des lois qui est proposée ressort de l'optimisation fiscale agressive. On y reviendra. Une fois qu'on a réussi à dissimuler, à faire passer l'argent dans les paradis fiscaux, bien évidemment, il ne faut pas se faire prendre. Et c'est là que les sociétés d'avocats du type Mossack Fonseca au Panama sont utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont là pour ajouter couche d'opacité sur couche d'opacité. Je prends un seul exemple. Jérôme Cahuzac, on nous a dit, Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, il a eu peur, il l'a déplacé à Singapour. Lorsque vous regardez les Panama Papers, vous ne trouvez pas un compte à Singapour au nom de Jérôme Cahuzac. Ce qu'a fait Mossack Fonseca et les gens qui ont conseillé Jérôme Cahuzac, c'est la chose suivante, ils ont créé une société panaméenne qui était elle-même détenue par une société des Seychelles, dont le directeur était une autre société des Seychelles avec des ramifications au Panama et dont l'actionnaire principal était encore une autre société des Seychelles. Si on n'avait pas eu l'information directement sur le compte suisse, si on avait travaillé à partir de Singapour, il aurait fallu être capable de remonter toute cette chaîne d'opacité, et c'est à ça que servent les sociétés écrans. Bien évidemment, cet argent, il faut quand même le faire travailler. C'est pas parce qu'il est dans les paradis fiscaux qu'il doit rester planqué sous un matelas. Et donc la question se pose de où est véritablement l'argent. Et là, on touche au cœur de ce qu'est un paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est juste une astuce juridique qui permet de découpler le lieu où une transaction économique est réalisée, toucher un salaire, toucher un profit, réaliser des profits, toucher des intérêts, etc., des dividendes, et le lieu où cette transaction économique va être enregistrée et donc contrôlée et taxée. Les paradis fiscaux, c'est un truc juridique qui permet de déplacer artificiellement des droits de propriété. Parce que l'argent, il n'est bien évidemment pas aux Bermudes, il n'est pas aux Pays-Bas. L'argent, il est sur les marchés financiers de Londres, des États-Unis, de Paris, de Tokyo, etc. C'est juste le droit de propriété de cet argent qui a été déplacé artificiellement. Alors, les banques maintenant, on a parlé des particuliers, des entreprises, les banques. Donc là, depuis 2013, il y a une directive européenne qui impose à l'ensemble des banques européennes de nous donner, pays d'implantation par pays d'implantation, le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, le nombre de personnes qu'elles emploient, les profits qu'elles réalisent et les impôts qu'elles payent. Et donc on a eu cette obligation pour l'ensemble des critères, elle ne date que de l'année dernière. Donc à l'été dernier, l'ensemble des banques françaises ont publié ces informations et un ensemble d'ONG ont travaillé pour ressaisir les données, puisque malheureusement nos grands banquiers ont donné ça sur des fichiers PDF dans leur site et de manière un peu dissimulée, donc pas de fichier Excel. Ils ont dû ressaisir l'ensemble des informations et les milliers de filiales données par ces banques françaises, et quelques résultats rapidement. On s'aperçoit qu'un tiers des profits internationaux réalisés à l'international par les banques françaises sont réalisés dans les paradis fiscaux. En termes de montant, c'est plutôt BNP Paribas avec 2,4 milliards, mais en termes de part des profits, vous voyez que le Crédit Mutuel réalise à peu près 44% de ses profits internationaux dans les paradis fiscaux.
Bien évidemment, on comprend vite pourquoi elles vont dans les paradis fiscaux lorsqu'on voit que l'Irlandais, par exemple, est d'une productivité absolument exceptionnelle, d'une rentabilité absolument exceptionnelle. Si vous ramenez la moyenne de ce que peut rapporter un Irlandais, un Luxembourgeois, un Monégasque, etc., à l'ensemble du nombre d'employés, eh bien, vous apercevez que l'Irlandais, a priori, dégage une rentabilité tout à fait stupéfiante. Non, bien évidemment, là encore, c'est un transfert artificiel d'activité qui permet d'afficher ce genre de résultats. Les paradis fiscaux, par définition, on pense à fiscaux, c'est-à-dire qu'ils permettent d'échapper aux impôts. Je crois qu'il y a un problème beaucoup plus grave qui est posé par les paradis fiscaux, qui sont au cœur de l'instabilité financière internationale. Rappelez-vous, simplement pour l'anecdote, la crise des subprimes commence à l'été 2007 lorsque BNP Paribas ferme trois fonds d'investissement, dont Parvest, le premier qui est un fonds d'origine luxembourgeoise. Surtout, dès l'été 2008, la Cour des comptes américaine, l'équivalent de la Cour des comptes américaine, nous dit que plus de la moitié des produits financiers toxiques qui sont dans le système bancaire américain sont logés aux îles Caïmans. Vous avez la première banque qui fait quasiment faillite au moment de la crise des subprimes à l'automne 2007. C'est la banque britannique Northern Rock. Vous regardez ses comptes à Northern Rock, à Londres, vous ne voyez rien du tout. Il faut se pencher sur les comptes de sa filiale Granite, enregistrée comme association caritative à Jersey, pour vous apercevoir que cette banque ne fonctionne que par un endettement de court terme explosif qui est dissimulé dans cette société écran de Jersey. Vous prenez Bear Stearns, la première banque d'affaires américaine qui, au printemps 2008, fait faillite. Vous regardez les comptes de Bear Stearns à New York, vous ne voyez rien. Il faut se plonger dans les comptes de ses filiales de fonds spéculatifs établis pour moitié aux îles Caïmans, pour moitié à Dublin, en Irlande, pour vous apercevoir que ce sont les paris fous pris par ces filiales qui vont faire que lorsqu'ils seront perdus, ils vont, la perte va représenter plus que le capital de la banque et vont la mettre en faillite. Et là, vous avez Pierre Steinbrück, qui est le ministre allemand des Finances à ce moment-là, et qui dit « ça, c'est pas un truc qui arriverait chez nous, c'est un truc typique du capitalisme anglo-saxon. En période de crise, il faut jamais dire ça, puisque 15 jours après, Hyporeal Estate, une sorte de Northern Rock allemand, eh bien, va subir exactement la même chose. Et là encore, c'est la filiale de fonds spéculatifs établie. Là encore, à Dublin, en Irlande, qui a pris des paris fous et qui va bouffer l'ensemble du capital de la banque. Vous revenez sur la crise bancaire islandaise, les filiales de banques établies à Guernesey ou à l'île de Man font des pertes absolument extraordinaires. Je ne reviens pas sur le fait que l'essentiel des rabatteurs qui ramenaient de l'argent à Bernard Madoff était situé en Suisse, au Luxembourg, aux îles Vierges britanniques. On a eu un superbe livre qui est sorti il y a un mois ou deux sur la faillite de Lehman Brothers. Donc on est 8 ans, quasiment 8 ans après. Et pourtant, on s'aperçoit que lorsqu'on mène l'enquête 8 ans après, eh bien, on s'aperçoit que les risques pris par Lehman Brothers, certes, Lehman Brothers, c'est une banque qui a pris trop de risques. Voilà, elle est partie en faillite. Mais comment est-ce qu'elle a pris trop de risques? Eh bien, vous apercevez que d'abord, c'est une banque qui est enregistrée au Delaware, dont la protection individuelle des dirigeants vont leur permettre de rentrer dans des comportements assez plus que délictueux et pourtant ne pas être poursuivis. 8000 filiales, dont l'essentiel sont au Luxembourg, en Suisse, au Bermude, etc. La prise de risque de Lehman Brothers passe là encore par les paradis fiscaux. Et enfin, dans la deuxième phase de la crise, puisqu'après la crise des banques privées, on a aussi une crise en Europe, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, une crise financière en Europe, eh bien, vous apercevez que les gens qui vendent, puisqu'on spécule sur les dettes publiques, il faut bien que des gens vendent les dettes publiques, qui par exemple vendait à ce moment-là de la dette publique française, eh bien, regardez qui achète la dette publique française, où sont les investisseurs qui reçoivent la dette publique française, eh bien, ils sont situés essentiellement au Luxembourg, aux îles Caïmans et au Royaume-Uni. Alors, quand on dit la dette publique française, elle est détenue pour un tiers par des Français, pour un tiers par des Européens non français et pour un tiers par le reste du monde, on s'aperçoit que ces chiffres sont sûrement fous en partie, puisqu'il y a sûrement des Français qui passent par le Luxembourg pour toucher les intérêts et ne pas payer de fiscalité. Les îles Caïmans, c'est plutôt les pays latinos et les États-Unis. Le Royaume-Uni, c'est plutôt la Banque centrale de Chine et les pays pétroliers qui passent par le Royaume-Uni pour acheter des dettes publiques françaises et pour le reste européennes de manière générale. Là, je vais simplement vous proposer une intuition qui n'est pas une démonstration. Il faudrait un vrai travail d'économiste pour aller plus loin. Mais
une intuition pour toujours asséner ce point important que j'essaie de détailler depuis une ou deux minutes, qui est que les paradis fiscaux posent un vrai problème de stabilité financière. Là, vous avez l'ensemble de l'argent qui, au niveau international, rentre dans le système bancaire des îles Caïmans en rouge et tout ce qui en sort, hein, tout ce qui sort des îles Caïmans vers le reste du monde en bleu. Vous apercevez bien évidemment qu'au début des années 2000, enfin sur la période de spéculation importante financière mondiale, entre 2000 et 2007, ça monte énormément lorsque la spéculation va s'accélérer sur les subprimes, hein, entre 2005-2007, eh bien la pente est encore plus forte. Et puis ensuite, si vraiment, hein, on retrouve ce que nous disait la Cour des comptes américaine, une partie des produits financiers d'actifs toxiques qui circulent dans le système bancaire américain passe par les Caïmans. Mais si vraiment il n'y avait que ça, à partir du moment où il y a la crise des subprimes en 2007, la faillite de Lehman Brothers en 2008, ça devrait chuter complètement. On voit que la courbe commence à baisser, mais elle se maintient plutôt, elle recommence, et la vraie chute, le vrai problème pour le centre financier des îles Caïmans, c'est l'été 2011. Alors, pourquoi il y aurait eu un problème spécifiquement à l'été 2011? Donc on réfléchit, on dit qu'est-ce qui s'est passé dans la finance internationale qui ferait que ça pourra avoir un impact important. Et là, vous trouvez que lorsque les Européens ont du mal à gérer la crise grecque, eh bien il y a un mouvement de défiance vis-à-vis des banques françaises, en particulier européennes de manière générale. Et là, vous voyez que ça plonge complètement à partir de ce moment-là. Alors encore une fois, sans que ce soit une démonstration, mais c'est plutôt une intuition, je vais me concentrer sur cette partie de la courbe qui descend entre l'été 2011 et la fin 2011. Donc vous voyez en haut, je vous ai remis l'argent qui rentre et l'argent qui sort, et en bas, ce sont les prêts des OPCVM, des fonds de court terme de placement américains, les prêts de court terme auprès des banques françaises et des banques européennes. Vous voyez bien, j'ai mis les montants, vous voyez bien que les montants sont différents, donc ça n'explique pas tout, mais la tendance est véritablement la même. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'intuition à partir de ce moment-là, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que au cœur du réacteur des banques françaises, au cœur du réacteur des banques européennes, c'est-à-dire sur leur financement, sur leur mode de financement, le shadow banking américain passe par les îles Caïmans pour financer à court terme les banques françaises et les banques européennes. Et ça me pose un sérieux problème en termes de stabilité financière, un sérieux problème en termes de régulation financière. Donc quand on nous dit le petit bâtiment en bas, c'est Eglon House, vous savez, il y a à peu près 20 000 sociétés, ça a l'air de rien ce petit bâtiment, mais c'est le siège social de 20 000 sociétés au niveau mondial. Donc oui, les sociétés écrans, oui, les îles Caïmans servent à ça, mais ma crainte, elle va largement au-delà. Elle est sur le fait que ces paradis fiscaux servent l'instabilité financière en créant de l'opacité. Alors, ça c'était le bilan. Je termine en disant que fait la police, hein. Le G20 est intervenu depuis son sommet de Londres d'avril 2009. Il y a plein de choses qui ont avancé sur les particuliers. On passe à un nouveau standard d'information qui est un standard d'échange automatique d'informations fiscales. Dès qu'un Français va aller ouvrir un compte en Suisse à partir de 2018, dans les mois qui vont suivre, le fisc français va être informé. Évidemment, ça rend la chose un peu moins intéressante. Ce standard, il va être mis en place progressivement entre 2017 et 2018. C'est un vrai coup porté au secret bancaire. L'horizon, donc, c'est 2017-2018. Ça essaye de mettre fin au secret bancaire à des fins fiscales. Ce qui ne veut pas dire que tous les outils utilisés pour mettre du secret fiscal vont être remis en cause. Notamment, il y a les fameux trusts, hein, ces entités juridiques de droit anglo-saxon qui permettent de gérer de l'argent sans qu'on sache qui est la personne qui amène de l'argent et qui est le bénéficiaire ultime. Je vais y revenir. Il y aura bien évidemment des tentatives de contourner cet échange automatique d'informations fiscales. La petite île de Saint-Kitts, par exemple, promet à qui vient investir 250 000 dollars dans son industrie sucrière, eh bien de donner un certificat de résidence de l'île de Saint-Kitts. Donc, vous êtes un Français assez riche, il faut quand même 250 000 dollars. Vous êtes un Français assez riche, vous avez 250 000 dollars, vous allez investir 250 000 dollars dans l'industrie sucrière de Saint-Kitts, on vous donne un certificat de résidence de Saint-Kitts, vous allez ouvrir un compte en Suisse ou à Singapour, on vous dit, monsieur, avec les nouveaux échanges, ou madame, de quel pays venez-vous?
souvenez-vous, de Saint-Kitts. Et donc, il va y avoir un échange automatique d'informations fiscales entre la Suisse et le fisc de Saint-Kitts qui va prendre le papier, le mettre à la poubelle et on aura complètement disparu des radars. Bon, bien évidemment, si vous êtes un Français riche ou un Allemand riche et que vous payez des impôts depuis longtemps en France ou en Allemagne et que tout d'un coup, vous êtes devenu citoyen de Saint-Kitts, ça va quand même attirer un petit peu les yeux et les oreilles du fisc. Mais néanmoins, il y aura ce type de tentative, de stratégie de contournement. Gros problème avec les États-Unis. Cet échange automatique d'informations fiscales, il est en train de se mettre en place au niveau mondial, dans le cadre d'une convention multilatérale. Il y a pratiquement tous les paradis fiscaux ont signé. Il y a un grand pays qui ne s'est pas engagé dans la réciprocité de l'information, ce sont les États-Unis. Vous avez peut-être vu que Barack Obama, 3 jours avant les Panama Papers, a déclaré qu'il allait faire quelque chose sur le fait qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a en gros une petite quinzaine d'États qui offrent des services d'opacité financière. Il y a des paradis fiscaux onshore au sein du territoire américain. Et on attendait avec impatience les propositions concrètes du gouvernement américain. Elles sont tombées ces derniers jours. L'administration américaine va produire un règlement et non pas une loi, ce qui lui évite d'avoir à passer devant le Congrès américain qui n'aura sûrement jamais voté cette avancée, donc un règlement administratif qui va permettre de demander à toutes les sociétés qui sont ouvertes aux États-Unis, dans tous les États, eh bien, de donner le nom des bénéficiaires effectifs et à toutes les banques qui ouvre un compte à ces sociétés ouvertes aux États-Unis, créées aux États-Unis, de demander quel est le bénéficiaire effectif de la société. Le problème, c'est qu'il y a plein de trous dans la raquette. L'analyse commence tout juste, mais on sait qu'il y a, a priori, il y a plein de trous dans la raquette. Par exemple, il y a des entités financières qui ne sont pas couvertes, comme les assurances. Par exemple, si vous détenez moins de 25% du capital de l'entreprise, on ne vous demandera pas votre nom. Par exemple, à un moment donné, si personne ne détient plus de 25%, le nom du directeur suffira d'avoir un directeur de paille. On ne demandera cette information que pour les nouvelles sociétés créées et pas pour les anciennes, etc., etc. Donc on voit bien que aujourd'hui le débat est en train de tourner vers les États-Unis et que là c'est vraiment le rôle de la diplomatie européenne que d'appuyer fort sur les États-Unis en disant bien évidemment tout ça n'a été possible que parce que les États-Unis étaient d'accord, mais il faut que vous jouiez le jeu mondial que tout le monde est en train de jouer. Et là, de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est que le G20 a prévu qu'en 2020, tout le monde se remet autour de la table. Et si on s'aperçoit qu'il y a trop de trous dans la raquette, parce qu'il y en aura, bien évidemment, il y aura d'autres lanceurs d'alerte, il y aura d'autres leaks. Et à chaque fois, il faudra essayer de pointer du doigt ce qui ne va pas dans les nouveaux accords qui sont passés aujourd'hui. Eh bien, on a prévu qu'en 2020, tout le monde se remet autour de la table et on essaie de revoir, d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Au niveau des entreprises, donc il y a depuis octobre de l'année dernière, on a le plan officiel qui s'appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelques avancées, notamment la mise en œuvre d'une comptabilité pays par pays. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les banques, qui est vrai au niveau européen. Chaque pays d'implantation, vous devez donner un certain nombre d'éléments d'information, l'essentiel étant chiffre d'affaires, nombre de personnes employées, profit réalisé et impôts payés, eh bien ça va être généralisé à l'ensemble des entreprises de plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Ça met 85% des sociétés mondiales sous la barre, donc elles n'auront pas donné cette information. Ça ne concernera donc que 10-15% des sociétés, mais ce sont les plus grosses, celles dont on pense qu'elles sont quand même à l'origine de l'essentiel de l'optimisation fiscale agressive. On attendait la façon dont l'Europe souhaitait transcrire ce nouveau régime au sein de l'espace européen. Donc on a eu la présentation le mois dernier. L'Europe décide que les multinationales européennes de plus de 750 millions de chiffre d'affaires donc, devront donner l'information pour les pays suivants, les pays de l'Union européenne, les pays qui seront considérés comme des paradis fiscaux à partir d'une liste qui doit être établie cet été par la Commission, enfin par l'Union européenne, et une agrégation pour le reste du monde. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire la différence entre Caïman, Singapour, etc. On aura déjà les pays de l'Union européenne. C'est déjà un point intéressant, puisque vous l'avez vu depuis le début, hein, ce qui nous pose problème, nous, pour nous Français, pour nous Européens, c'est l'Irlande, c'est le Luxembourg, c'est les Pays-Bas. La fraude et l'évasion fiscale sont essentiellement des affaires de proximité, y compris dans une finance mondialisée.
L'OCDE nous dit, je ne rentre pas dans les détails techniques, que les fameuses cashbox, c'est-à-dire ces comptes ouverts aux Bermudes, etc., etc., dans lesquels sont dissimulées une partie essentiellement des multinationales américaines, mais aussi un peu européennes, vont être démantelés grâce aux 15 points du plan BEPS. Je ne sais pas si c'est la réalité. En tout cas, ça va être très simple de vérifier si c'est vrai ou pas, puisqu'il suffira de suivre mois après mois, année après année, si le montant dissimulé dans ces cashbox diminue ou pas. En Europe, on a aussi eu l'an dernier une nouvelle législation, une proposition de nouvelle directive par la Commission visant à la transparence des rulings, vous savez, ces fameux accords fiscaux secrets entre une multinationale et un État, dont on a eu un exemple frappant grâce au LuxLeaks, dont le procès est en cours aujourd'hui pour les lanceurs d'alerte et le journaliste Édouard Perrin. L'Union européenne va mettre en œuvre une transparence, un échange automatique d'informations sur les rulings de type internationaux concernant les entreprises. Combien perd-on par cette optimisation fiscale agressive d'impôts sur les sociétés? Lorsque l'OCDE a présenté son rapport en octobre dernier, les chiffres officiels indiquent qu'entre 4 et 10% de l'impôt sur les sociétés est échappé du fait de l'optimisation fiscale agressive. Quelques mois auparavant, j'avais eu des informations internes indiquant que les premiers résultats indiquaient que 25% de l'impôt sur les sociétés n'était pas payé, mais que l'OCDE a trouvé que ça faisait vraiment beaucoup, donc ils ont refait tourner les modèles, comme savent faire les économistes, pour ressortir quelque chose qui leur semblait un peu plus acceptable, qui est 4-10%, mais l'estimation officieuse est plutôt un quart. Alors, ce qui manque, c'est ce qu'on appelle les patent box, les boîtes à brevets, qui sont ces propositions faites par ces législations mises en œuvre par de nombreux pays et qui disent que si vous êtes une grande société et que vous venez installer votre propriété intellectuelle chez moi, eh bien vous bénéficierez d'un régime fiscal spécifique, favorable. Jusqu'en 2016, on pourra en ouvrir et ça pourra tenir jusqu'en 2022 et la disparition des boîtes à brevets n'est pour l'instant prévue qu'à partir de 2022. Mais d'ici 2022, il peut se passer beaucoup de choses. Un point extrêmement clé. On sait par exemple que on suppose que la firme Google, pour prendre un exemple connu, loge l'essentiel de ses profits dans sa filiale qui est située aux Bermudes, puisque la filiale située aux Bermudes détiendrait le droit d'utilisation de la marque Google qu'elle fait payer à l'ensemble des autres filiales, ce qui permet d'aspirer les profits réalisés dans le reste du monde du fait qu'elles sont obligées de payer le droit d'utilisation de la marque Google. Admettons que BEPS fonctionne bien, que l'OCDE vraiment ait pris les bonnes mesures et que ces bénéfices transférés de manière artificielle aux Bermudes reviennent dans les pays. Qui va pouvoir les taxer? Qui va récupérer cette base taxable? Les Français, les Allemands disent l'activité de Google, elle est chez nous, donc c'est nous qui allons récupérer la base taxable. Les Américains disent, vous plaisantez ou quoi? Google, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme dont la valeur ajoutée ne dépend que de l'inventivité, de la créativité d'ingénieurs américains. L'essentiel de la valeur ajoutée est aux États-Unis. Donc si un territoire doit récupérer de la base taxable, ce sont les États-Unis. Comment est-ce qu'on peut répartir donc cette base taxable si on la récupère, hein, admettons qu'on la récupère, si on la récupère, comment, sur quels critères peut-on la répartir? Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, il y a eu des batailles féroces au sein de l'OCDE, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'année dernière, l'OCDE nous a dit on prend une année supplémentaire, ce qui nous met en octobre-novembre de cette année. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une méthode de profit split, hein, c'est-à-dire de répartition des profits qui seraient récupérés grâce à la mise en œuvre de BEPS? Quoi qu'il en soit, avec une nouvelle règle BEPS, la fiscalité, c'est quelque chose de très complexe, de très technique. Avec les nouvelles règles et la nouvelle interprétation des règles, ça va ajouter de nouveau de la complexité, de la technicité qui continueront à faire le bonheur de la petite brochette de spécialistes qui arrivent à s'y retrouver vraiment concrètement sur les lois du côté public et du côté privé. Alors, je termine en disant que je pense que vraiment BEPS, que l'échange automatique d'informations vont dans le bon sens, mais nous n'en sommes qu'au début de la remise en cause des paradis fiscaux. Imaginez l'ensemble des informations que vont recevoir les administrations fiscales sur l'échange automatique, sur les rulings, sur etc., etc. Une montagne d'informations va arriver dans les administrations fiscales au moment où, sur ces dernières années, elles ont pratiquement toutes diminué le nombre de fonctionnaires
dans les services de M. Sivieux qui était présent juste avant. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir traiter cette information avec un nombre de fonctionnaires de plus en plus petit. Il va falloir se fixer un objectif de réduction des pertes fiscales. Hein, on dit... La dernière estimation en France, c'est plutôt 40-60 milliards. L'estimation de l'année dernière, c'était 60-80 milliards. Enfin, on sait que c'est beaucoup. En fonction des années, c'est quand même autour de 15% de nos recettes fiscales. Si vraiment on agit, si vraiment on pense qu'on peut être efficace, alors il faut se dire, on a récupéré combien ? On a récupéré 10%, 20%, 30% d'ici 2020, d'ici 2025, etc. Il faut exactement qu'on puisse se fixer des objectifs pour voir si on tient nos objectifs ou pas. Il faut absolument avoir une action spécifique, ce que ne fait pas l'OCDE jusqu'à présent, sur ces intermédiaires, ces professionnels du droit et du chiffre, qui sont les intermédiaires clés. L'année dernière, il y a eu une enquête qui a été menée auprès de 450 fiscalistes de grandes multinationales situées dans beaucoup de pays du monde. On leur a dit comment ça se passe pour vous. La moitié ont dit qu'ils ont de la pression pour truquer les chiffres. 40% que leur hiérarchie adopte selon eux un comportement non éthique. Et les deux tiers pensent que si des fois ils dénonçaient ce genre d'activité, ils ne seraient pas protégés. Les Panama Papers sont venus bien évidemment confirmer ce business énorme au niveau mondial que représentent les intermédiaires. Uniquement sur les Panama Papers, on a 14 000 intermédiaires. Alors cela dit, ça doit être les mêmes. Si on avait pris un autre cabinet, si on était tombé sur un autre cabinet que Mossack Fonseca. Il faut, je pense, trouver des moyens et suggérer des choses pour sortir les banques de paradis fiscaux uniquement. Encore une fois, pas uniquement pour les questions fiscales, pour des questions de stabilité financière. Le G20 d'avril 2009 avait complètement identifié le fait que les paradis fiscaux posent deux problèmes. Un problème de fiscalité, deux, un problème de stabilité financière. Et pourtant, ils ont bien avancé sur le premier point, ils ont fait des propositions et rien du tout sur le second point. Aucune mesure G20 européenne, française, américaine, etc., tout ce que vous voulez, sur la remise en cause de la présence des institutions financières dans les paradis fiscaux au nom de l'instabilité financière. Je pense qu'il faut un rapport régulier devant les parlements, si on veut être sûr que le travail est fait. Au moment de la discussion de la loi de finances, il faudrait que l'administration fiscale nous fasse un bilan de « j'ai reçu tant d'informations qui viennent de tel pays, j'ai reçu tant de rulings, etc. » On a besoin de pouvoir suivre l'information et on a besoin aussi que cette comptabilité, notamment la comptabilité pays par pays, elle soit rendue publique, puisque pour l'instant, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un point quand même extrêmement important, elle ne sera réservée, cette information, qu'aux administrations fiscales. Il faut bien évidemment protéger les lanceurs d'alerte, mais je crois que vous allez recevoir Yann Gallu dans pas longtemps. Il a fait un travail remarquable, il a vraiment écrémé tous les spécialistes du sujet et il a des propositions à vous faire, des explications à vous donner sur les lanceurs d'alerte. BEPS, c'est ni un changement de paradigme, hein, je crois que j'ai montré les nombreuses limites comme le dit l'OCDE, ni un rideau de fumée comme le disent les ONG, je pense qu'il y a une partie des ONG, je pense qu'il y a vraiment des avancées qui ont été faites de ce point de vue. Voilà, excusez-moi cette petite page de publicité pour terminer, pour aller plus loin.